Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, j'ai fait un shopping à l'aveugle sur Shein. Alors j'avais déjà fait sur Fashion Nova et vous avez mais trop kiffé cette vidéo. Alors je me suis dit pourquoi pas refaire cette fois-ci sur Shein. Oui, je choisis des sites où je suis en collab, au moins j'ai pas à payer parce que... Vous allez voir, la chance n'était pas présente ce jour-là. J'ai reçu le colis il y a quelques jours et vraiment je crois que c'est la première fois où je languissais pas trop recevoir ce colis. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, je vous laisse tout de suite avec les images de ma sélection. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vais la faire à chaque fois, ça va, je crois. Bref, Shein, are you ready? Je vais enlever ces lunettes qui ne servent strictement à rien. C'est parti. Rappelez-vous qui était là pour le shopping à l'aveugle sur Fashion Nova? Moi j'étais là. Ça a été un petit peu la galère. Il faut se le dire franchement, à chaque fois je cliquais entre les articles, donc j'espère aujourd'hui on aura un peu plus de chance. On va sélectionner je pense 10-12 articles, ça suffira et j'espère avoir la chance sûrement et prendre des choses assez mignonnes parce que Shein il y a des trucs très jolis mais comme il y a des trucs très laids. C'est parti. Donc je descends, je monte, est-ce que je bouge ma flèche au risque de cliquer n'importe où? Elle est où ma flèche? Ah, premier article. Pas quelque chose que j'aurais choisi quoi. On va prendre une taille US. Au panier. Tic tic tic, tic 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 tic. On recommence. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Enfin moi perso j'aime pas du tout, est-ce quoi un pantalon de sport en fait? J'ai jamais y arrivé. Ah ça y est. J'ai... On va pas y arriver hein. Ah, je suis en train de me faire un petit relooking là. Ah, ah, ça c'est pas mal. Le premier article que j'aurais pu choisir hein. Bon, à part les manches bouffantes c'est pas trop mon truc, mais bon ça va, ça passe. Oh, ce petit chemisier bleu là, il me plaît. Oh, on peut pas faire une petite est-ce que j'aurais le droit à une petite joker? Non, allez, mais ça joue le jeu. Ok, je ferme les yeux, je remonte le dessin, tac à tac. Allez, s'il te plaît, là. Oh, j'ai de la chance demain. Ah, alors, une blouse en viscose, manche bouffante. 40 euros, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est marque Motte. Écoutez, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas les mêmes goûts que moi. Que quand je mettrai tout ça sur mon vide-dressing, vous allez le prendre. Parce que là, vraiment, comment te dire? Heureusement que c'est pas moi qui payais, j'aurais été dégoûtée. Bouhou. Je vais être magnifique dans cette robe, dis. On continue. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, je me fie à l'intuition. À droite, à gauche, ça. Ouh, ça, je le sens là. Pantalon ample à poche. Moi, j'adore ce style de pantalon. Après, un vert, hein? Ça va. Je me fie à mon intuition. Écoute, dommage qu'elle soit à col roulé. Mais bon, ça va. Franchement, ça va. Mon intuition est plutôt pas mal hein, pour l'instant. Ah, ça y est, enfin. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette manche en tigre comme ça? Je regarde des photos là. Des... Ah, j'ai eu peur. Par contre, là, meuf, ça va pas du tout. Elle a mis 5 étoiles et écoute, conseil d'amis. Pas la folie. On va la prendre en XS, hein, parce que j'ai des doutes sur la taille. Hein. On continue. On se bâtit. Ah. Ça fait très Saint-Denis touche, ça, quand même. Hein. Je n'aime pas du tout. Vraiment. Ah. Non, mais là, j'aime pas du tout. Mais c'est vraiment horrible. Et il nous reste un article. Là, je dis oui. Ça, ça me plaît. Ah ben j'ai eu de la chance pour le dernier article, je vous le dis moi. Je vais revoir le panier pour voir ce que j'ai pris. Franchement, quand même, ça va. Oh, les filles,
ce jean il me plaît. Bon, on va faire une petite exception parce que ce jean, franchement, il a l'air juste trop bien, donc tant pis. Je le prends parce qu'il est trop beau. Je peux pas passer à côté. Ah, je sais pas. Ben écoutez, j'ai 13 articles là. Enfin, 12 plus 1. Voilà, un choix personnel. Et du coup, je vais vous laisser avec la Missou du futur. Alors, qu'est-ce qu'on en pense hein? Découvrons ces magnifiques articles. Comme à chaque fois, j'ai un code promo pour vous ici. Hein, moins 15%, c'est un minimum d'achat. Donc si vous craquez sur un truc, hein, vous avez ce code. Donc c'est parti, écoutez, on va prendre le premier article qui vient. Hein. Ah, c'est le manteau. C'est le manteau blanc. Pas très fan. Hein. Nous allons l'essayer, mais moi déjà, fait un manteau blanc comme ça, le truc hyper salissant. Oh là là, mais vous auriez pu me dire quand même. Cette robe que j'ai mis, on dirait peut-être pas, mais c'est mon pyjama. Parce qu'elle est vachement grande et du coup, des fois, elle tombe. Écoutez, hein, c'est pas grave, hein, vous m'avez vu à moitié à poil avec mes vidéos là, on dirait. Alors, y a pas une ceinture avec? Vraiment, je suis un mix entre un détective privé et une infirmière. Je sais pas si tu vois le style que je veux dire. Premier article, j'aime pas du tout, de toute façon. Je pense pas qu'aujourd'hui, on va partir sur les coups de cœur. Second article. Oh mon dieu, ma quelle horreur. Enfin, je juge personne, si vous aimez, vous aimez. Hein. On a tous des goûts différents, et tant mieux, heureusement. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose que, voilà, tu vois, j'affectionne. On va l'essayer quand même. C'est magnifique. On a quand même la petite fente sur le côté. Comment te dire qu'on dirait un habit traditionnel de je sais pas d'où. Après, j'y connais rien à la mode, je suis sûre, t'as Jean-Paul Gaultier, là, il te fait un petit défilé avec ça, tout le monde est là, waouh, ouais, magnifique. Mais moi perso, j'aime rien à cette robe à part la petite fente. Ensuite, donc c'est la marque Motf Luxury Material for Maximum Comfort. 100% coton, enfin genre c'est vraiment de la qualité cette gamme là. Bon ça je pense qu'on va kiffer. La matière oui est très bien. Mais après je dirais pas non plus que c'est exceptionnel. Hein. Essayons-la, mais je pense que ça va être le seul article de cette commande qui va me plaire. Ok, bah écoutez, elle est très bien cette petite robe. Et j'avoue qu'on est super bien dedans. Elle est douce. Hein. C'est de la très très bonne qualité. Hein. Elle taille bien. J'aime beaucoup ce décolleté comme ça. Je suis pas fan des manches bouffantes, mais là je trouve que ça fait joli. Avec le petit tatou, parce que vous savez que depuis que j'ai fait cette vidéo, j'ai envie de me faire tatouer maintenant. Je suis en pleine réflexion. Où, comment, quoi. Allez, continuons toujours. Motif. Ah non, motif. On reste dans la gamme luxe. Donc oui, ça, je m'en rappelle. Petite blouse qui peut faire jolie. Là, niveau quali, on a pareil marque Shein. Hein, je vois pas de différence. Hein. Il nous faudrait un bas. Alors, je sais plus si on en a des bas. On va la garder juste ici. Ah, pants. Oh, mais dis, il est plutôt pas mal, ce pantalon. Essayons-le tout de suite. Ah, je suis deg. Bref, commençons par le haut. J'arrive pas à savoir si c'est fait exprès, ça soit froissé ou pas. J'aime pas, je suis pas fan du tout du tout. Encore peut-être rentrer comme ça, hein, ça peut être pas mal. Comme quoi, un tout petit rien, parce que là comme ça, mais alors j'aime pas du tout. Mais imaginons, tu vois, qu'un petit nœud ou rentrer dans le pantalon, de suite, hein, il y a un autre style, tu vois. Par contre le pantalon, les filles, je vais le recommander, sachez-le, mais en taille en dessous. J'ai pris taille S, hein, il est trop grand s'il vous plaît. Parce que regarde, tout ce qu'il y a en plus. C'est trop dommage parce que franchement, il est canon. Mais vraiment, je l'aime beaucoup ce pantalon et la couleur. Prochaine vidéo Shein, je me le recommande en taille en dessous. Ensuite, un petit haut passe-partout, n'est-ce pas? Mais je sais pas, ça peut faire stylé, hein, mais voilà, c'est pas mon truc. Hein. Bon, avec le pantalon, ça ira pas du tout, mais bon. Bon, j'ai gardé mon soutif en dessous parce que la canne est de l'enlever pour le remettre. Moi, je sais pas, enfin, pour celle qui aime, il est très bien, hein, il taille bien, il est doux. Mais moi, c'est clair et net, enfin, c'est pas un truc que je vais garder parce que je le mettrai jamais de la vie, quoi. Passons à la suite. Oh mon dieu. Je me rappelle. Ça, c'est vraiment un style que je n'aime pas du tout. Mais alors, c'est vraiment comme sur la photo, quoi. Oui, mon sac Chanel, je vais être en retard. Voilà comment je vous vois, celle qui s'habille comme ça. Honnêtement, la robe n'est pas moche. Hein. Mais vraiment, là, j'ai pris 20 ans dans la tronche. Hein, et m'apprends des cours de piano et d'équitation, quoi, tu vois. Chérie, je vais chercher notre fille à l'équitation, je reviens. J'exagère, bien sûr. Hein, y a des femmes, ça leur va très bien comme ça. Mais moi... Non, je suis un train étouffé en plus dans ce truc. Passons au prochain article. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle pas du tout de ça. Ah si, ça y est. Ça, ça peut être pas mal, mais du coup, on va remettre le pantalon. Hein. Déjà, j'aime beaucoup la matière. Hein. Putain, mais ça fait un bouquin ce truc. Bon, ça, on va pas s'attarder là-dessus. Honnêtement, je sais plus trop comment ça se met ce truc. Mais il faudrait mettre un soutif bandeau, parce que là, les bretelles se voient. Il est super sympa ce haut. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense le garder. On est super bien dedans et tout en plus. Prochain article. Ah mais tiens, un pantalon. Ah oui, c'est vrai.
On avait un petit peu triché. J'avais oublié. C'est que j'avais craqué sur ce pantalon. Il était magnifique. Oh là là, et en plus avec ça, ça peut faire super joli. Franchement, déjà comme ça, je peux dire qu'il est beau. J'espère qu'il va bien serrer au niveau de la taille, parce qu'il m'a l'air parfait au niveau de la largeur et tout. Et ce que j'aime bien chez Shein, c'est qu'à chaque fois que je prends des pantalons, niveau longueur, franchement, pour les petites, ça va quoi. Oh my god. Les filles, il est parfait. J'ai eu du mal à passer les fesses parce qu'il sert parfaitement à la taille. Et il me va mieux que tous les pantalons que j'ai, que ce soit Levi's, Pull&Bear, etc. Shein. S'il y a un autre coloris, je me le prends direct. Je vais aller voir juste après là. Et d'un côté, je me dis, mais sois raisonnable, t'en as plein de pantalons déjà. Avec une petite paire de baskets et tout. Yes, yes, yes. J'ai pris taille ES, hein, pour ceux que ça intéresserait. Passons à la suite. Oh là là, ça m'a mis de bonne humeur. Ensuite, oh yo yo, mais ça, je vais le garder, je vais te dire pourquoi je vais m'en servir cet hiver pour rester à la maison. Honnêtement, en plus c'est long et tout. J'ai pas envie de l'enlever le pantalon en fait. Attends, avant d'essayer ça, parce que c'est un sweat robe, on va voir si on n'a pas des hauts. Au moins je peux garder un peu plus longtemps le pantalon. Qu'est-ce que c'est ça? Blouse. Oh punaise, ça y est, je m'en rappelle. Aïe 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 aïe. Mais franchement quoi, on dirait les trucs des baptêmes que tu mets au pec, tu sais, pour se faire rebaptiser. J'ai une photo de moi bébé, j'avais le même truc. Essayons quand même hein. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. J'ai jamais essayé un truc aussi horrible. Même là tu peux imaginer rentrer dans le pantalon quoi. Ça là c'est pas possible, ça c'est tout ce que je n'aime pas. Je croyais que le pire était les robes là qu'on avait testé avant, mais non, décidément c'est ça. Ça c'est le pire. Punaise, quelle horreur. Oh oui, le magnifique leggings, c'est vrai, j'avais oublié. On laissera après, hein. Jack. Et le dernier. Oh oui, une robe col roulé qui se resserre comme ça. C'est vrai, j'avais oublié. Bon ben vas-y, on va la tester de suite, hein. Bon, les cols roulés, ça m'avait pas manqué, hein. Ok, donc ouais, il faut vachement bien serrer quand même, hein. Ouh, avec le tatou. Eh mais je vous jure que j'ai trop envie de me faire tatouer, c'est pas possible. T'as vu comment ça te décore là? Imagine, petite fente, jambe tatouée comme ça. Oh. Alors, cette robe, je sais pas si c'est à cause du tatou, mais je la kiffe quoi. Non, Missou, tu vas pas la garder, d'accord? Mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Bon, ben c'est vrai, il n'y a plus rien. Et du coup, il nous reste à tester. Le sweet robe, ben on va faire en même temps, hein. Je vais tester le legging, c'est ça. Maman, mais que ça taille grand ça. C'est taille S, hein, mais ça taille hyper grand le machin. Mais franchement, comme pyjama, ce sera parfait, donc je suis contente. Le leggings, écoutez, il est très bien. Il a une matière assez glissante, hein. Donc à voir si quand on fait du sport, ça glisse pas trop. Sinon, il colle bien. Il est pas du tout gainant, par contre, hein. Je pense que je vais le garder, ouais. C'est incroyable, j'aurais pas pensé garder autant de choses quand même. Ben écoutez, voilà pour cette vidéo finie. Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi ça en commentaire. Hein. Moi, je suis hyper contente de ce pantalon, mais grâce à ça, ça a égayé ma journée. Il m'en faut peu, oui. Donc, je vous remets le code promo. N'oubliez pas si vous avez craqué vous aussi, parce que je vous connais. Hein. Je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Hein. Ciao, ciao.